AFT. Derrière ces trois lettres se cachent une centaine de personnes au service d'une mission. Promouvoir et développer l'emploi dans le transport logistique. Pour y parvenir, l'AFT Transport et Logistique est présente sur l'ensemble des territoires et agit à plusieurs niveaux. Pour attirer des candidats, il faut valoriser les métiers du secteur auprès des particuliers d'abord, mais aussi des prescripteurs emploi et orientation qui sont des relais essentiels. Ainsi, l'AFT mène de nombreuses actions sur le terrain, propose des webinaires d'information, administre et met à jour quotidiennement un site unique d'orientation dédié au transport logistique. Par ailleurs, l'AFT permet au transport logistique d'être représenté et visible sur des événements nationaux où les jeunes deviennent de véritables ambassadeurs du secteur. Au total, ces actions permettent de sensibiliser plus de 500 000 personnes chaque année. L'AFT travaille avec et pour les entreprises du secteur transport et logistique. Nous les épaulons dans les démarches de recrutement. Nous développons des outils et des solutions RH innovants pour leur permettre d'attirer des candidats en développant leur marque employeur, de fidéliser les salariés en prenant mieux en compte la qualité de vie et la prévention au travail, d'améliorer l'inclusion dans l'entreprise. Enfin, comme le secteur est au carrefour de nombreuses mutations et évolutions, l'AFT informe régulièrement les entreprises des innovations et évolutions réglementaires du secteur. Pour renforcer l'employabilité des apprenants, l'AFT travaille sur les contenus de formation, apportant l'expertise transport logistique nécessaire à la refonte et à la création de certifications. L'AFT soutient également les enseignants et formateurs du secteur avec des supports de formation innovants, un site extranet contenant de nombreuses ressources pédagogiques, réglementaires et bibliographiques, des plateformes numériques, et même près de 300 véhicules écoles pour les sections conduites de l'éducation nationale. Nous rapprochons également l'enseignement supérieur du monde professionnel par le biais d'événements spécifiques. Enfin, l'AFT s'attache à développer la mobilité européenne pour les étudiants et les enseignants. L'AFT apporte des éléments d'éclairage à ses partenaires institutionnels grâce à une enquête tableau de bord annuelle qui étudie les recrutements et les caractéristiques des emplois en entreprise de transport logistique. En animant les travaux de l'OPTL, Observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les transports et la logistique. Nous réalisons aussi des enquêtes, des analyses et des études prospectives permettant d'anticiper les évolutions à venir des métiers et des qualifications. L'AFT mène une action plus discrète, mais ô combien nécessaire. Le cofinancement des formations, particulièrement celle des conducteurs. Dans le cadre de cette mission régalienne établie par la puissance publique, l'AFT s'assure que l'offre reste adaptée à l'évolution des besoins de la profession et des candidats. Ainsi, en forte croissance depuis quelques années, le nombre de formations cofinancées atteint aujourd'hui près de 50 000 dossiers traités. Animée par une agilité qui la caractérise, l'AFT n'a de cesse d'inventer et de mettre gracieusement à disposition de tous les acteurs concernés des solutions originales, innovantes et directement opérationnelles au service de l'emploi.